Good morning, allez, Iden, les tutors aujourd'hui, le Lonishmat, à moi, mon amène, Hana, Pegibat, Esther, Nissim Ben Nahuda, René Avram, Ben Mordechai, ainsi que Nirfouat, Efat Mayan Batlea, Teila Tsipora Bat Talia, et Bracha Sara Bat Hana Rachel, Betor Shah, Holy Israel, ce que vous souhaitez aussi dire, une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechet Abodazara, Perig Dalet, Mishnah Bet, Matza Berosho Ma'ot, Kesut, Okelim, Arei Elu Mutarin. Parkilei anavim, va'atarot shel shibolim, ve'yenot ushmanim uslatot, ve'chol davar shekayotse bo karev legabim, algabim misbeach asur. On va parler maintenant dans cette Mishnah de ce que l'on trouve déposé sur à proximité de la Vodazara, soit sur elle-même. En l'occurrence, on va parler de Markoulis, si déjà c'était le sujet de la Mishnah précédente. Markoulis, pour rappel, c'était une sorte de Avodah Zarah où il fallait poser des pierres d'une certaine manière, deux et une troisième au-dessus, en milieu, couché sur les deux autres. Et alors là, la Mishnah maintenant nous enseigne comme ça. Matza Berosho, s'il a trouvé à sa tête, c'est-à-dire sur la pierre d'en haut, il a trouvé qu'il avait là-bas, Ma'ot, des pièces de monnaie, Ksout, un vêtement, Okelim, ou toutes sortes d'ustensiles, Are Elou Moutarine, eh bien, on aura le droit d'utiliser, de se servir, de tirer profit de ces objets, de les prendre pour soi-même, et on ne va pas craindre qu'ils ont été offerts à la Avodah Zarah. De quoi on parle plus précisément? Le Bartanura, on n'a qu'à le faire tout de suite dans les mots, regardez. Ma'ot ksut okelim arenu mutarin, il nous dit le Bartanura, ve'u shelo yu munachin lenoy. On parle uniquement dans le cas où ces ustensiles, ces objets, ne sont pas posés en guise de décoration, pour embellir la Avodah Zarah. Noy, quelque chose qui est na'e, qui est beau. Kegon, shayuamot, munachim bekiskashur. Par exemple, tu m'as parlé des pièces. Ne dis pas qu'il y avait là-bas un petit tas de pièces qui donnait de l'honneur à la Avodah Zarah. Non, on parle qu'en fait, elles étaient munachim bekiskashur. Elles étaient dans une petite bourse attachée au vetaloui al tzavro. Et là-bas, il avait accroché là-bas sur le cou, ou peu importe, sur un clou. En tout cas, c'était plus déposé en tant que quelque chose qui vient embellir la donner de le orner le la Avodah Zarah. D'accord? Ksout mais coupelette. Tu parles qu'il y avait un vêtement dessus. Eh bien, parle qu'on parle que c'était un vêtement qui était plié en quatre, mais qui n'était pas posé en guise de donner de l'honneur et ainsi de suite. D'accord? Donc en fait, pour le moment, on a appris deux choses. On a appris donc que tout ce qui a été déposé sur la Avodah Zarah en guise de d'ornement pour rendre plus belle la Avodah Zarah, plus valorieuse, alors dans ce cas-là, ces objets seront interdits interdits d'en tirer profit. Et ça prendra, je ne suis pas sûr, est-ce que ça prendra un statut de Tikrovet Avodah Zarah? Je ne sais pas où. Et après, j'ai expliqué qu'il y a une différence entre les deux. D'accord, on laisse ça de côté pour le moment. Et la Mishnah continue, ne dit pas contre. Si tu trouves qu'on a juste déposé de l'argent, alors apparemment, c'est quelqu'un qui a voulu quitter de passage, il a voulu, peu importe, ramasser quelque chose par terre, il a posé ça là-dessus, et puis après il l'a laissé, il l'a oublié, donc tu auras le droit de l'utiliser, d'en tirer profit, puisque ça n'a pas été déposé en guise d'ornement. Ensuite, la Mishnah continue en nous enseignant. Parkilei anavim. Alors, anavim, bien sûr, c'est des raisins. Parkilei, ça se discute un petit peu, c'est quoi exactement? Le Tiferet Israël, il parle de couronne tressée. Le Barthénora, lui, il parle que c'est uniquement des grappes de raisin où il y a encore les petites tiges qui sont dessus. En tout cas, c'est du raisin, ça c'est sûr. C'est du raisin, soit qu'il est en forme de belle grappe, apparemment on parle de ça, ou bien on avait déjà évoqué plus haut qu'on parle aussi que les raisins, quand on leur laisse la petite queue, c'est que c'est un signe qu'on veut les apporter à la Avodah Zarah, c'était apparemment l'usage. En tout cas, on parle donc de raisin mis en grappe. Va'atarot shel shibolim, ou encore des couronnes que l'on a fait en tressant des épis de blé, veyenot, ou bien encore des vins, ou shmanim, des huiles, ou slatot, des semoules, une assiette de semoule par exemple, ou un paquet de semoule, vechol davar shekayotze bo karev al gabei mizbeach, et toute chose qu'il y a un objet semblable que l'on apporte au mizbeach, à l'autel, chez nous les Bnei Israël, à Sour, il est interdit d'en tirer profit. Soit on explique un peu mieux de quoi on parle, on passe à côté de la Avodah Zarah. Si on va trouver qu'il y a des carottes, est-ce qu'on a le droit de les manger ou non? De les prendre pour soi-même. Deux possibilités. Soit c'est quelqu'un
qui avait un sac de carottes, il les a laissé poser par terre, il a oublié, il a perdu. Comme tout ce qu'on trouve dans la rue, on a le droit de le ramasser et de les prendre. Ou soit, c'est quelqu'un qui est venu apporter des carottes à sa Avodah Zara. Alors la réponse, elle va être très simple. Est-ce que... Deux questions il faut se poser. Tout d'abord, si c'est l'usage d'apporter ça à la Avodah Zara, bien sûr, ce sera défendu. C'est-à-dire, si c'est, comment on va l'appeler, la Avodah Zara de Bugs Bunny, où il faut lui apporter des carottes pour qu'il les mange. Donc on lui apporte des carottes, c'est comme ça qu'il est... Qu'est-ce que je suis bête, des fois. En tout cas, oh, je me reprends, je suis fatigué. Il y a comme ça, donc la Avodah Zara du lapin, et il a fallu lui apporter des carottes de Avodah Zara. Et alors là, bien sûr, les carottes, elles sont interdites parce que ça s'appelle une vraie ticrovette d'Avodah Zara. Par contre, une Avodah Zara normale, d'accord, qu'il faut apporter... Donc on a l'usage, chaque Avodah Zara a ses usages, quoi apporter ou pas quoi apporter. Maintenant, il y a malgré tout une chose qui sera toujours défendue, ce sera, si on va lui apporter, quelqu'un va lui apporter une chose que l'on apporte nous-mêmes au Mizbeach, même si ce n'est pas l'usage de la Avodah Zara de la servir de la sorte, alors on transgresse un interdit. Par exemple, au Mizbeach on apporte du vin, on fait des oblations de vin, des oblations de semoule, des menachot. Alors, dans ce cas-là, si on va devant la Avodah Zara, quelqu'un va lui apporter du vin ou de la semoule, il va rendre, ça va prendre un statut de tikrovet à Avodah Zara, un cadeau, une offrande pour la Avodah Zara, et ça va devenir interdit, même si ce n'est pas l'usage de la Avodah Zara de faire ainsi. D'accord ? Selon ce même principe, tout ce qu'on va trouver chez nous, dans le Mizbeach, si on fait la même chose, si un goy, ce sera interdit. Soit, c'est pour ça qu'on va parler de Parkilei Anavim, Parkilei Anavim, on parle de raisin. Qu'est-ce qu'on fait nous avec du raisin, avec des fruits de raisin, à part le vin? Ça c'est la suite pour le vin. Mais les raisins tels quels on les apporte au Mizbeach, vous allez me dire, eh ben oui, on apporte les bikurim. Une fois par an, on apporte les prémices au Beth Amikdash, il va apporter les prémices des sept fruits d'Israël. Dans ce cas-là, ce qui a écrit le raisin ici, il en va de même pour tous les sept fruits. C'est-à-dire, on n'a pas parlé de la figue et des dattes, mais il en va de soi, c'est sûr que c'est inclus aussi. On avait l'usage de les apporter au Mizbeach, et on leur faisait une hagasha. Là-bas, devant le... Ouais, quand on apportait les bikurim, il fallait les apporter sur un plateau. On les apportait, on les faisait entrer dans le Beth Amikdash, on déclarait devant tout le monde en les balançant avec le Kohen. Et il fallait ensuite les apporter près du Mizbeach, et après on les donnait au Kohen. On ne les faisait pas monter sur le Mizbeach, bien sûr. Il y a marqué dans le Pasuk qu'on ne mettra pas aucun fruit sur le Mizbeach. Mais on devait lui faire ce qu'on appelle une Hagasha, le présenter. Le présenter devant le Mizbeach, c'était la Avoda qu'on faisait. Après on les donnait au Kohanim, et ça apportait au Kohanim. Les Kohanim, ils pouvaient nous manger chez eux, à Yerushalayim. Et maintenant, donc, la Mishnah nous enseigne des passages que tes raisins, puisque lorsque tu les apportes au Mizbeach, devant le Mizbeach, c'est un statut de tikrovet, d'offrande, alors celui qui va faire la même chose devant une Avodah Zara qui veut apporter des raisins, il va rendre ses raisins interdits en tant qu'Avodah Zara. Idem aussi pour les atarot shel shibulim, des couronnes qu'on va faire avec des épis de blé, le blé, on l'apporte au Mizbeach. D'abord, on apporte le blé tout simplement dans les bikurim aussi. Veillez note les vins. Shmanim, les huiles, saltot, solet, la semoule, le chol d'avoir chez Kayot, c'est beau, que rêve, al-gabi. Après toute chose qu'il y a un semblable qui est apporté devant le Mizbeach, alors il sera interdit. Il y a maintenant, dans la Gemara, c'est apporté ici dans le Melechet Shlomo, dans le Tifrat Israël, il rapporte quelque chose de très important. Que, on avait appris que la Avodah Zara, on peut l'annuler. Un goy peut annuler une Avodah Zara. Soit, comme on avait vu, s'il y a même un Marcoulis, il va dire, allez, c'est des bêtises, c'est des hérésies, tout ça, c'est fini, il n'y a plus d'Avodah Zara. Un goy a la capacité d'annuler une Avodah Zara, on en reparlera encore plus loin. Eh bien, la Mishnah, ici, ça va apporter dans la Gemara plutôt, quelque chose qui a été apporté en offrande à l'Avodah Zara, eh bien, il ne pourra plus être annulé. Ça va faire qu'il y a quelque chose de très étonnant. L'Avodah Zara elle-même, qui est le plus gros interdit possible, eh bien, lui, cet interdit, on peut l'annuler. Tandis que l'offrande qu'on a fait à cette Avodah Zara, dès qu'on aura apporté l'offrande, alors c'est fini, c'est fruit. Même un goy ne pourra plus dire, allez, c'est n'importe quoi, l'Avodah Zara, peu importe, c'est trop tard. Dès que ça a été offert, ça a été annulé. Ça, c'est déduit du pasouk. On compare les tikrovet Avodah Zara, les offrandes de Avodah Zara, à des zivrei metim, à des morts, à des offrandes mortes, à un mort. Et de là-bas, on déduit donc, comme un mort, autant que le mort, il ne revit plus, il n'y a pas de traité avec pour le moment, de ce fait, la Avodah Zara elle-même, elle sera, la tikrovet de la Avodah Zara, elle sera interdite à jamais, impossible de la rendre permise. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de la Sarah Koltou.